Salut les petits garagistes, alors aujourd'hui, comme promis, on va essayer de retaper cette belle Renault 25. Donc, pour ce faire, on va déjà commencer par un gros coup à l'intérieur, hein, parce que c'est un peu dégueulasse. Et pour ce faire, j'ai rien trouvé de mieux pour le moment que du savon de Marseille. Bon, en fait, c'est même pas du savon de Marseille, c'est une savonnette que j'ai chopée à Lidl. Mais on a dit qu'on faisait bien et pas cher, donc on va voir ce que ça donne. Il nous faut pour ça un pinceau, un savon, évidemment, un chiffon et du temps. Alors c'est parti, on va voir ce que ça peut donner. Et bien voilà, donc on a pu constater que ça nettoyait vachement bien et en plus ça laisse une bonne odeur. Donc on est vachement content, notre petite R25 commence à récupérer un petit peu de sa brillance d'antan. Donc sur ce, nous on vous dit à la prochaine les amis, on va voir ce qu'on peut lui faire à cette petite R25 et toujours pour pas cher, vraiment pas cher. Allez, ciao ciao les petits garagistes.